Allez, arrête de taire, viens. Ajoute maurice.usa sur Skype. T'as des choses à dire, mais tu n'oses pas parler. Envoie un message à maurice@mauriceradiolibre.com. Tu fais quoi? Eh ben moi, je suis responsable du secteur étudiant d'SOS Racisme. Ah bah là, au moins, ça rigole. Le secteur étudiant. Voilà. Là, ça rigole pas, faut être badgé, non? Non, mais en fait, c'est parce que ça marche par secteur. Enfin, on a plein de trucs, enfin, plein de pôles différents. Et nous, on s'est décidé que sur les facs, il fallait retourner parler de politique dans les halls de fac. Et qu'il fallait retourner insensibiliser les étudiants et que c'était des questions particulières. Donc, par exemple, on va dans les halls de fac, on parle de questions d'immigration, on parle de la politique du chiffre de Nicolas Sarkozy qui nous fait vomir. C'est, voilà, toute cette politique. Et donc, c'est pour ça que c'est un secteur étudiant. D'accord, donc vous venez faire votre politique dans les facs, quoi. Bah bien sûr, mais il faut aussi pouvoir sensibiliser, aussi créer le débat. C'est-à-dire que si on y va juste pour être dans le consensus, nous, ça nous intéresse pas, nous, être confrontés à la politique. Et quand t'abordes un étudiant qui sait pas trop, bien, qui est pas de votre avis comme ça, le mec, il doit chier dans son front, non? On discute. Il doit se cacher. Il doit pas discuter. Non, c'est assez intéressant. Après, il y a pas que des gens qui sont un peu bourrins, mais dans le sens, c'est intéressant aussi de pouvoir aller confronter les gens sur leurs propres préjugés, sur leurs propres idées. Enfin, quand on a des gens qui nous expliquent que les immigrés vont piquer le boulot des Français, enfin, je veux dire, c'est une phrase des années 60, mais il y en a plein. Non, mais c'est ce qui est fou. Non, mais c'est vraiment fou. Non, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas assez dans l'esprit critique, on se pose pas assez de questions, et je pense que souvent, on peut être convaincu sur des idées. Mais est-ce que c'est pas, Charlotte, c'est pas des trucs qu'on entend depuis toujours? Moi, j'ai toujours entendu. Mais est-ce que les mecs, quand j'étais à la fac, est-ce que le racisme, c'est pas depuis toujours? Est-ce que je veux dire, voilà quoi. Moi, j'ai 20 ans et je suis persuadé qu'on peut encore changer les choses. Ouais, je pense que le racisme, c'est depuis toujours, mais même si l'association pour laquelle tu travailles depuis très longtemps existe, je ne crois pas, et ça, c'est très personnel. Moi, je ne crois pas dans l'action de ces associations. Alors, ça ne va pas te plaire, hein, ce que je dis. Mais je suis un basané, moi, donc je peux le dire. Je ne crois pas dans l'action de ces associations pour la bonne et simple raison que la manière d'arriver et de se présenter aux gens qui seraient donc racistes, et comme tu viens de le faire, c'est-à-dire c'est un coup de poing dans la gueule. Donc soit tu tombes face à quelqu'un qui va résister, soit tu tombes face à quelqu'un qui va te dire qu'elle est d'accord avec ton discours, mais ne va pas changer la manière de faire. Alors on va bien plus loin que là. Alors vous me posez la question sur le secteur étudiant. Donc faut nous, que tu voyais, Charlotte, tu sais, juste comme ça. Sur le secteur étudiant, on est plus là-dessus. Après, il y a des tonnes d'autres choses. On fait des interventions en milieu scolaire où on déconstruit les préjugés avec les enfants et les jeunes. Il y a aussi, par exemple, on fait des procès pour discrimination ou fichage ethnique. Par exemple, il y a Daytona. C'est une grosse entreprise américaine qui a mis dans les CV, enfin dans ses trucs pour recruter, qu'elle voulait des pure white. Mais vous imaginez, enfin, si on faisait rien, si SOS Racisme servait à rien, on n'aurait jamais condamné ces associations. Et il y aurait encore ces entreprises, et il y aurait encore toutes ces entreprises-là qui demanderaient des pure white. Mais qu'est-ce que c'est? Ouais. Où on est? Mais moi, ça n'empêche pas, petit. Mais ça fait vomir quand même. Charlotte, t'énerve pas. Ça n'empêche pas quand même. Tu vois, je vais te dire, moi, ce qui me choque, et particulièrement vis-à-vis de SOS Racisme. Charlotte, t'énerve pas. Moi, je suis un black. Et je suis très content de l'être, et je veux pas qu'on me mélange, qu'on me dise. Ce qu'on me dit depuis que je suis petit dans ce pays, c'est la différence que tu as, en fait, elle n'existe pas. La différence que j'ai, elle existe, et je veux pas faire comme si elle n'existait pas, parce que on va pas faire de fichage de machin et de je sais pas quoi. Moi, quand les gens me croisent, pardonne-moi, quand les gens me croisent dans un magasin, je suis pas un black qui ressemble à un arabe, ils se disent pas, ah, ce mec-là, en fait, il doit être comme Greg qui est de Metz. Ils se disent que ce mec-là, c'est un basané qui rentre dans le magasin. Donc, faut arrêter cette hypocrisie qui est tenue généralement par des gens qui sont pas des basanés, qui nous expliquent qu'en fait on est tous pareils. C'est ce qu'on nous dit à l'école quand on est petit, on est tous pareils, et la maîtresse nous amène dans voir des expositions pour nous dire, ah ben tiens, toi qui es un petit peu coloré, tu vas voir, là c'est des statues d'Afrique, ça va sans doute te parler. Bon, faut arrêter les conneries, on est différents, faut pas faire comme si on était tous pareils. Je suis absolument pas d'accord. Je pense que c'est très très dangereux de catégoriser les gens et que ça va renforcer le communautarisme. Mais ce n'est pas catégoriser les gens, c'est une réalité, mais enfin. Et moi je pense qu'on est aussi avant tout français, avant tout citoyen, avant tout. Et alors, ça n'empêche pas. Moi ça me fait halluciner quand je vois dans les quartiers des gens qui ont peur d'aller se mélanger avec d'autres parce qu'on leur a tellement dit que c'était important la couleur et que c'était une valeur. Non, c'est pas ça. Il faut accepter les différences. On est différents les uns des autres et il faut les accepter. Je pense, Charlotte, que ce sont les gens qui tiennent ce discours, je pense, et c'est mon avis, alors toi tu peux le refuser, mais je vais le servir quand même, je pense que ce sont les gens qui tiennent le discours qu'on t'a mis en tête, que tu répètes tous les jours, qui font justement que les mecs comme moi,
sont regardés de travers par des gens qui n'osent pas. Ils le disent quand on est parti. Parce que quand on est là, il faut qu'ils fassent comme si on était tous pareils, comme si j'étais blond aux yeux bleus. Et quand je me suis barré, là, les mecs se disent, tu l'as vu, le basané, regarde s'il a rien piqué. Bon. Faut arrêter de faire comme si donc on n'était pas basané. Alors, voilà. Donc vous, alors, vous pensez que je suis manipulé? Je vous retourne la question. Je pense. Est-ce pas des choses qu'on entend depuis longtemps? Je pense. Les jeunes ne sont pas manipulés par des grands gourous. Non, c'est, tu n'es pas j'ai, les jeunes. Attends, pardonne-moi. Des jeunes. Non, mais Charlotte, s'il te plaît, je t'en on supplie. N'est pas manipulé. Charlotte, tu je n'es aussi. Pas les jeunes. Charlotte, non, tu n'es pas les jeunes. Les d'accord jeunes non, non, tu n'es pas les jeunes. C'est à toi que je parle. Il y a d'autres jeunes qui sont ici. Ne parle pas en même temps que moi, ça sert à rien. Il y a d'autres jeunes qui sont ici qui n'ont pas le même avis que toi. Tu n'es pas représentatif des jeunes. Tu as un avis. Tu as un avis que je veux bien entendre. D'accord. Mais ne viens pas me dire que non, les jeunes, je sais pas quoi. Souvent, non, non, il n'y a pas de souvent. Etc. On discute tous les là, deux, vous Charlotte. Je vais expliquer que je suis sûrement manipulée. Alors je peux vous. Je te dis, Charlotte. Ce que je viens de te dire, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que moi, qui suis un basané dans ce pays, qui est un pays dans lequel il faut faire comme si on était tous pareils, machin chose, que ces gens qui te mettent ce discours en tête, ce sont les gens qui font qu'on fait pas rentrer les blacks et les machins dans les trucs, dans les endroits. On est obligé de venir et de faire. On est obligé de venir et de légiférer pour faire rentrer les gens parce qu'on a jamais accepté dans ce pays de dire que voilà, qu'il y a des gens qui viennent d'horizons différents, qu'il y a des gens qui ont des tailles, des formes, des poids différents et des gens qui ont des couleurs différentes et que ce n'est pas parce qu'on a une couleur différente de, alors je vais dire la tienne parce que c'est à toi que je parle, comme ça au visuel, qu'on n'a pas le droit d'exister, qu'il faut faire comme si on était pareil. Non mais c'est pas la question, c'est-à-dire que moi on est contre SOS racisme, alors je vais redire SOS racisme, on est contre le fichage ethnique et on est contre aussi la discrimination positive, donc on est contre le fait, c'est parce qu'on a une couleur différente qu'on va avoir des traitements différents. Donc c'est ça, moi je suis, non là-dessus on est, c'est pas possible, enfin je veux dire. Charlotte petite, moi je veux bien entendre tout ça, mais moi l'être humain que je suis, d'accord, c'est l'être humain qui parle, je détiens pas la vérité, l'être humain que je suis tient absolument à ce qu'on le regarde comme il est, pas à ce qu'on le regarde en se disant oui mais non mais en fait ce mec là tu vois tu le vois comme ça mais en fait il est pareil que la fille qui est là, tu vois la fille qui est là, elle a les yeux verts et c'est les... mais en fait ils sont pareils, c'est les mêmes, je veux qu'on me regarde, pardonne-moi, je veux qu'on me regarde et qu'on se dise que je suis un coloré, un basané, ça ne me gêne pas, ça ne m'empêche pas. Ça ne m'empêche pas d'avoir le même droit que tous les autres. Voilà, et souvent, on peut admettre qu'on n'avait pas les mêmes droits que tous les autres. Ben non, dans le pays, j'ai les mêmes droits que les autres. Voilà, j'ai les mêmes droits que les autres. Sur la couleur de peau peut-être, mais Charlotte... sur les Français, sur les étrangers, je suis désolée, il y a des tonnes d'emplois. Mais Charlotte, petite... Il y a des tonnes d'emplois qui sont fermés aux étrangers, il y a les étrangers... Mais ça ne, ce n'est pas ce discours-là qui va changer, mais bien sûr, qui va changer les choses. Parce que ce discours-là, on l'entend depuis toujours, Charlotte. Sauf que ben, c'est pas normal que ça ne bouge pas, et qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui se bougent. Ça ne bouge pas. On va pas laisser des emplois en France fermés aux étrangers, mais on est chez les fous. Mais quoi laisser? Mais ça a toujours été comme ça, Charlotte. 30 000 personnes qui se font expulser chaque année, sans raison, de manière complètement arbitraire, on va laisser les choses se faire comme ça. Et non, ça n'a Charlotte, pas toujours là, été fait comme ça. Tu vas partir dans tous les sens. Non, ça Charlotte, n'a pas toujours été Charlotte, fait comme ça. Parce que je suis Charlotte, je te coupe ton micro. Hein. De Sarkozy. Non. Non, Charlotte, tu peux pas dire un truc comme ça. On a l'impression que, alors, je veux bien, tu es sans doute une jeune femme très gentille, mais ce que tu dis là, moi je suis un petit peu plus vieux que toi, je l'ai toujours entendu. C'est pas, on va pas laisser les gens, on a l'impression que tout d'un coup il y a un nouveau truc. Il n'y a pas de nouveau truc. Dans ce pays, il y a toujours eu des quotas d'entrée aux frontières. C'est pas nouveau, c'est pas un truc qui a démarré hier. Mais vous dites qu'on ne fait rien changer, que ça ne sert à rien. Je vais vous prendre c'est pas ce discours qui fera changer. Non, mais voilà. Ben, je vais continuer dans le même discours, mais en vous prouvant que ça fait changer les choses. Attention, elle va nous prouver quelque chose. Bien sûr que bon. Récemment, en plus. Non, mais vous allez rire. Récemment, il y a eu une directive des conseils nationaux des musées qui expliquait que les musées allaient être gratuits pour les moins de 26 ans. Ok, c'est cool. Les moins de 26 ans. C'est du racisme, ça. Attendez, bon, je pourquoi continue. Il n'est pas gratuit pour il y moi avait, il y avait une petite clause dans ces trucs de moins de 26 ans, que c'était gratuit aux moins de 26 ans, seulement qui était originaire de l'Union Européenne. C'est-à-dire que tous les étudiants étrangers de moins de 26 ans, mais qui venaient par exemple d'un pays d'Afrique ou d'un pays, par exemple les États-Unis, par exemple l'Australie, par exemple tout ce que vous voulez, mais qui ne venaient pas de la communauté européenne, n'avaient pas le droit de rentrer gratuitement. Ouais, SOS Racisme a décidé d'aller dans tous les musées. Par exemple, on est allé au Louvre, on est allé à Beaubourg, tu sais pourquoi, on est allé au musée d'Orsay. Attendez, je finis pour vous prouver. Oui, mais tu vas me faire la liste des musées, Charlotte. Non. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Vous savez quoi, on y est allé. Est-ce que et tu aujourd'hui, sais pourquoi c'est gratuit au Louvre, même pour les gens d'origine étrangère. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on avait créé ces trucs-là?
Que ce soit gratuit seulement pour la communauté voilà, urbaine. Voilà, seulement pour les ressortissants. Pourquoi ? Parce que moi-même, non, mais est-ce que tu sais pourquoi je te demande ? Je vous demande de m'expliquer est-ce pourquoi. Est-ce que tu la connais la réponse ? Expliquez-moi pourquoi c'est pas économique. Alors je vais te l'expliquer. C'est pas économique. Mais si c'est économique. Non, c'est simplement. Pas économique. Attends, pardonne-moi, Charlotte. Ça ne concerne pas les. Non mais ne parle pas tout le temps, ça sert à rien. C'est. Tu vois, c'est cette manière de faire. Alors moi, je suis un grand garçon, j'ai pas peur, je vais pas lâcher l'affaire. Mais quand tu rencontres un môme à la fac et que tu lui parles comme ça, le mec, il doit partir, se cacher et dire que t'as raison. Non mais c'est pour ça. C'est pas vrai. Mais si, Charlotte, mais tu te rends pas compte, c'est mais effrayant. Non, mais si moi, jamais. Si je réponds à la provoque, non, 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 il s'agit pas de provoque, il s'agit de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi. Il faut arrêter de considérer, et ça c'est un truc que j'ai déjà entendu et qu'on t'a servi extrêmement régulièrement, qui est que quand on n'est pas d'accord avec toi, c'est de la provoque, que si jamais ce qu'on dit ça te plaît pas, t'empêches le mec de parler en face. Je suis pas d'accord moi avec cette manière de faire. Et je te dis Charlotte, la seule différence c'est que moi je suis pas dans une association et je vais pas dans les facs pour expliquer aux enfants comment il faut penser. Moi je suis sur une radio commerciale où je fais un produit qu'on écoute si on a envie de l'entendre. Donc on n'a pas du tout la même fonction, puisque toi tu veux rentrer dans la société pour changer les gens. Alors je dis que cette manière de faire que tu n'as pas inventée, qui est la manière de faire d'SOS Racisme, de la plupart de ces associations, me dérange profondément, parce que c'est justement ça qui pousse les gens à se mettre dans votre dos et à se regrouper pour dire que les noirs, les machins, les trucs sont pas bons. Parce que ce n'est pas de cette manière-là qu'on fait changer les choses. Et ben moi, je vous invite, c'est pas avec un fusil qu'on fait changer les gens. La prochaine fois qu'on va dans les halls de fac pour parler de politique, à venir voir. Je l'ai, j'ai pas besoin, j'ai vu. J'ai vu. Non, vous voyez pas, vous ben je pense que vu. Vous devez, tu dois tellement faire peur aux gens, Charlotte, tu dois tellement leur foutre la trouille aux gosses qui doivent dire oui. Le seul problème, c'est qu'SOS Racisme, ça n'existe pas depuis hier, et que ce discours-là, cette manière de faire extrêmement, extrêmement agressive vis-à-vis des enfants, fait que lorsque vous êtes là, ils disent oui, oui, ben c'est quand même des mômes. Ça fait que lorsqu'ils sont avec toi, lorsqu'ils sont devant SOS Racisme, ils sont d'accord avec vous, et quand vous avez tourné le dos, lorsque vous avez tourné le dos, ils se regroupent pour lutter contre vous. Parce que si j'étais à leur place, je ferais pareil. Moi, si jamais j'entends, si je vais quelque part dans un pays et que j'entends quelqu'un me parler comme ça, enfin me servir ce discours-là, de cette manière-là, bien sûr que je me braque. Si jamais le mec qui est en face me fait peur, s'il me fout la trouille, je lui dis oui, 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 bien sûr. Et après, je vais chercher des gens qui ont peur comme moi et on se regroupe. Parce qu'on ne peut pas faire changer les gens avec une mitraillette. Et ça, cette manière de faire, c'est une mitraillette. Sauf que ça ne se passe jamais comme ça. Mais ça se passe comme ça. Ben non, mais venez. Mais j'ai pas besoin de venir. Mais non, mais la manière dont tu te comportes aujourd'hui. Non, non, mais Charlotte. Non, mais vous êtes le meilleur. La manière dont. Non, mais je m'en fous, je suis le meilleur. Mais non, je ne suis pas en train de porter de jugement. Je ne suis pas en train de porter un jugement sur toi en particulier. Je te dis que cette manière de faire, c'est un truc qu'on a déjà entendu. Tous les gens qui sont dans cette mouvance-là se comportent comme toi. Alors, c'est tombé sur toi parce que t'es venu. Non, vous voyez, tous les gens se comportent. On les a déjà vus dans des débats. C'est pas la première fois. J'habite dans le pays depuis toujours. Donc, les gens des SOS Racisme, je les ai vus arriver, je les ai vus évoluer et j'ai entendu ce discours-là et c'est un discours qui me fout la trouille. Vous croyez quoi, que parce que t'es allé faire un procès à une discothèque, que le mec, quand vous avez tourné le dos, il accepte tous les blackos du coin? Sauf que on le condamne, et sauf que sur sa boîte, il y a écrit qu'il a été condamné pour discrimination. Ouais, et qu'est-ce que ça change? Et ben, il y en a peut-être plus d'un qui vont se poser la question. Ça ne change rien du tout. Et ben, pour moi, ça change des choses, parce que je veux dire que quand je vais sortir avec Slimane en boîte, et ben, Slimane, il va rentrer avec moi. C'est tout. Et ça, franchement. Alors, ça, Charlotte, ça, ce sont des rêves, ce sont de très jolis rêves. Ce sont de très jolis rêves. Oui, je vais te laisser rêver. Ce sont des très jolis rêves qui sont éloignés de la réalité. Lorsque vous avez fini votre action, qui est une action de contrainte, qu'il faut peut-être faire, je ne sais pas s'il faut la faire ou pas, lorsque vous êtes parti, ça recommence. Sauf parce que ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas de cette manière, ce n'est pas de cette manière qu'on changera la mentalité des gens. Et je te répète et je le redirai à plusieurs reprises, ce n'est pas avec un fusil que tu obligeras les gens à si c'est un fusil, cette manière de faire que tu as, c'est un fusil. Mais Charlotte, mais tu vas répéter 50 fois la même chose, on l'a entendu. Tu vas répéter 50 fois la même chose, on l'a déjà entendu, c'est pas toi qui l'as servi, ça fait 20 ans qu'on entend. Moi j'ai un fusil, et ben moi je vous dis que non, c'est pas un fusil, c'est qu'on se bat. C'est un fusil. Sur les actions pour dénoncer c'est un des fusil. Choses, et on amène les pouvoirs publics à prendre la question en main et à légiférer. Parce que c'est hors de question qu'on reste dans une république comme ça, les
les uns contre les autres. Après, c'est impossible. Moi, franchement, je suis écœurée. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme nous. Mais c'est pas grave. Qu'il y ait plein de gens qui pensent comme toi, je m'en fous, honnêtement. Très bien. Non, mais c'est vrai. Hein. Ça peut pas être une arme. Ça peut pas être une arme. Tu peux pas me dire que c'est parce qu'il y a plein de gens. Il y a des endroits dont. Tu vois, si jamais je t'emmène dans certaines campagnes de notre pays, il y a plein de gens qui pensent un peu différemment. Ils n'ont pas raison non plus, je pense. Mais moi, je pense que c'est intéressant quand même de continuer à faire des actions parce que c'est pas normal de laisser passer le racisme en France. Je pense, Charlotte, c'est une lapalissade que tu viens de dire. Tout le monde est d'accord, il faut que le racisme descende dans notre pays. Et pour le descendre, je ne crois pas à cette méthode. Et d'ailleurs, ça fait des années qu'on entend tout ça, tous ces discours, les mecs en train de gueuler, en train d'empêcher tout le monde de vivre. Moi, je suis contre cette manière. On n'a même pas le droit de le dire dans le pays. Tu vois, c'est tellement entendu que lorsque vous arrivez et que vous assénez votre vérité en disant que machin chose, qu'il n'y a pas une seule personne dans le pays, pas une seule, je n'ai jamais entendu personne dire votre méthode, la méthode des SOS racisme, c'est pas la bonne. Alors quelle est votre méthode? Je ne sais pas, en tout cas c'est pas celle-là. Moi je travaille pas là-dedans, petite. Moi je bosse pas là-dedans, je travaille dans la radio commerciale. Je dis simplement que cette manière de faire, ce n'est pas la bonne, et je vous invite à réfléchir, notamment à vous faire une petite cassette de ce qu'on vient de vivre tous les deux, et pour essayer de comprendre les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, qui sont pas, tu vois, moi tu peux pas me regarder en me disant que je sais pas quoi, parce que ceux dont on t'a parlé, moi je l'ai vécu. D'accord, alors moi parce que je suis blanche et que vous imaginez que je n'ai peut-être pas grandi, je n'aurais pas le droit de combattre. Tu ne peux pas avoir vécu la même chose que moi, mon frère. Mais on peut pas, j'ai pas forcément vécu la même chose. Tu ne peux pas avoir vécu la même chose que moi. Qu'est-ce que tu as? Oui, tu as été à la piscine peut-être. Mais ce que je veux dire, tu ne peux pas, lorsque l'on parle de racisme ou de gens que l'on regarde de travers, tu ne peux pas te dire que toi et moi avons la même expérience. Tu peux avoir vécu plein d'autres choses. Tu ne peux pas, Charlotte. Dans des bahuts, Charlotte. Charlotte. Tu peux te répéter tout ça, Charlotte. Tu peux te répéter tout ça, mais la réalité, c'est que malgré tout, même si tu penses que c'est toi qui, il y a une différence lorsqu'on nous voit toi et moi, et il est sûr et certain que nous n'avons pas vécu dans ce domaine les mêmes choses. Voilà. Même si tu te répètes des trucs dans tous les sens. Je ne serais pas d'accord. Oui, mais c'est bien. Et j'attends votre méthode, monsieur. Je n'ai pas de méthode, je ne travaille pas SOS Racisme, je ne suis pas non plus de ceux qui ont décidé de faire ce qu'il faut pour qu'on puisse, pour que le racisme puisse disparaître de notre pays. Mais ce que je sais, et j'ai la possibilité de le faire, même si SOS Racisme considère qu'il n'y a que SOS Racisme, que les associations qui peuvent l'ouvrir, que tous les autres doivent mourir ou se taire, moi je considère que j'ai le droit de ne pas être d'accord avec vous et de le dire. Voilà. Bien sûr. Et je pense qu'il faut chercher. Voilà. Charlotte, Charlotte, quand les gens font comme si, excuse-moi, quand les gens font comme si, parce qu'il y a deux choses, Charlotte, on se le dit quand même, il y a deux choses, parce que ce que je vais te dire, c'est ce que vit un basané, c'est pas ce qu'on t'a appris, c'est pas ce que tu crois, pas ce qu'ont vécu tes copains, tes amis, ce qu'ils t'ont raconté, c'est une expérience personnelle, d'accord? Les gens avec lesquels les choses se passent le mieux sont les gens qui ne font pas forcément état quand il n'y a pas de raison qu'on le fasse, de ta couleur de peau, ou de ton genre, ou de ton style. Mais qui sont capables à un moment, les gens avec lesquels ça se passe bien, qui sont capables à un moment de se rendre compte et de te dire qu'il y a une différence visuelle entre eux et toi. Et je ne trouve pas ça scandaleux. Alors, parce que pourquoi est-ce qu'on pourrait dire ah oui, il y a la blonde, elle est comme si, il y a la blonde, et puis le black, on peut faire comme s'il n'existait pas, on roule les yeux comme ça. Si vous voulez, mais moi je vais vous. C'était comme la blonde. Si vous voulez, je vais vous parler aussi. Parce que ça voudrait dire qu'en fait, il faudrait que j'ai un complexe, c'est ça, il faudrait que je sois pas bien. Sur le même terrain, je vais vous parler d'une expérience personnelle. Très bien. Ailleurs qu'à SOS Racisme, je suis aussi animatrice sociale et socioculturelle dans des quartiers. Je bosse avec plein de gamins, et je suis impressionnée de voir que des gens, parce qu'on leur répète que la couleur de peau, c'est quelque chose d'important, etc. Qu'on communautarise les gens, je vois des gens qui refusent de se mélanger avec d'autres. Je vois des gens qui crispent de la violence entre les gens qui vont s'affronter. C'est ça aussi de toujours vouloir être fier d'une couleur de peau. Moi, je pense qu'il faut plutôt remettre tout à plat et se dire putain, on est tous des hommes, on a tous des combats à faire, on a plein de choses à faire. Je vais te dire autre chose. De vouloir toujours catégoriser les gens. Charlotte, je vais te dire deux choses. Charlotte, il faudrait que tu arrêtes un peu de parler comme Isabelle Alonso parce que c'est pénible, quoi. Arrête de l'embêter, toi. Attends, 30 ans après, j'irai mieux. Je vais dire deux choses. La première, c'est que moi, il y a un bonhomme dans ma famille, qui est un bonhomme important, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Ma négritude ». Tu vois ? Et je pense que ce qu'il a écrit, que les gens des associations devraient le lire et le comprendre comme il l'a écrit.
pas le philosopher, mais le comprendre comme il est écrit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces associations qui ont voulu bien faire, attention, moi je dis pas que vous êtes mal intentionné, je dis que votre méthode est pas bonne. Qu'elle est pas bonne parce que c'est une méthode qu'on voit un peu dans plein de domaines chez nous, qui est la méthode de la poubelle brûlée, de la séquestration et de l'agression de l'autre, pour lui dire que comme ce qu'on pense c'est vrai, c'est la vérité, qu'il y a une loi, donc les autres doivent fermer leur gueule. Bon, je pense qu'il faut quand même se rappeler, que dans les années 70-80, il n'y avait pas de l'écartier, il n'y avait pas de tout ça. Ce qu'on a inventé en 82 pile, c'est le beurre. Moi, quand j'étais môme, le beurre, il n'existait pas. Le beurre, c'est un blanc, qui a une culture, enfin, dont les parents, souvent, ont une culture qui peut être différente des mecs du village. Et en voulant faire plein de choses vachement bien, en 82, les associations, et notamment SOS Racisme, ont créé, volontairement ou pas, le beurre. Et le beurre, c'est quoi? Ben, le beurre, c'est un arabe dans la tête des gens. Dans la tête des gens, dans les quartiers. Et c'est ce qui se traîne aujourd'hui dans ces endroits. C'est un arabe qui habiterait dans un coin de la France et qui serait tellement différent des autres qu'il se regrouperait pour faire. Dans la réalité, ce qu'on sait, c'est que les mecs qui sont là, sont des Français qui ont grandi en France, qui ont la mentalité française et qui se regroupent entre eux parce qu'on leur a expliqué que eux, normalement, pour tous les autres, ils sont ensemble. Ouais, okay. C'est ce qui se passe quand même. Non, moi je pense que le communautarisme, oui, c'est dangereux, mais je pense pas que ce soit SOS Racisme qui l'a créé, parce que à SOS, vous verrez, c'est pas non. Du tout communautarisme. On pas contre ça. On a entendu le beurre, il n'existait pas avant 82. Et vous croyez pas aussi c'est tous les mouvements intégristes qui ont renforcé ça, non. Tous les replis identitaires? Mais bien sûr que si, non. C'est pas tout le racisme ou quand il y a pas... quand il y a pas de racisme et qu'il y a du lien social et que les gens se mélangent, ils se posent pas la question de leur couleur de peau, ils se posent pas la question de leurs origines, ils se la posent mais de manière constructive. Ils se la posent pour échanger, pour se mélanger. Là, aujourd'hui, quand c'est des rapports violents, c'est du renfermement du Charlotte, identitaire. Charlotte, mais je suis pas du tout d'accord. Charlotte, on a créé les ghettos moraux. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce que tu appelles les quartiers, là où tu travailles, d'après ce que tu dis. Entre autres. Ce que tu appelles les quartiers, c'est quoi? C'est des endroits que des gens, alors je vais pas les nommer, je sais pas lesquels, des gens ont décidé d'appeler ça les quartiers parce qu'il y avait un petit pourcentage de mecs et de nanas qui étaient ensemble et qui étaient dans les années 80 ce qu'ils ont appelé les beurs. Dans la réalité, laisse-moi finir ce que j'essaie de t'expliquer. Dans ces endroits-là, il y a essentiellement des gens dont le niveau de revenu est le même. Il n'y a pas un seul endroit, où il y a que des beurs ou que des je sais pas quoi. Il y a moi, des je gens. Je parle pas de beurre, je vous parle que quand même il y a des ghettos aujourd'hui qui concentrent tous les handicaps économiques, etc. Et qu'on renferme les gens là-dedans et qu'il y a de la discrimination. Les gens, dans plein les de gens, logements. Non. Bien sûr que si. Les gens, comme toujours, Charlotte, les gens. Sortez, hein. Oui, je pense que je sors un petit peu plus souvent que toi. Non seulement je sors de la radio, mais je sors aussi dans la ville et je sors aussi ailleurs. Je vais à l'étranger de temps en temps. Donc tu vas pas me donner des leçons. Tu ne vas pas me donner des leçons pour se promener. Et je vais te dire, SOS Racisme, c'est une association. Vous n'êtes pas la France. Ce que vous pensez, on ne doit pas, vous ne pouvez pas nous l'imposer. Même si vous essayez de le véhiculer partout en disant aux gens que c'est comme vous qu'il faut penser, moi je ne pense pas comme vous. Et tu n'as pas, toi, Charlotte, tu ne vas pas m'expliquer ce qui se passe dehors. Demain, je serai sans doute bien plus loin que toi. Je serai sans doute un petit peu, tu vois. J'ai quand même dans ma vie vécu beaucoup plus de choses que toi, je pense. Et je suis un petit peu plus sorti que toi. Donc, viens pas m'expliquer que je sais pas quoi les quartiers. Ce que je te dis, moi, Charlotte, c'est que dans la réalité, vous avez mis en avant une partie de la population en essayant de nous faire croire que dans certains coins de notre pays, il y avait que des Arabes ou que des machins ou que des je sais pas quoi, en appelant ça les quartiers.
Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce qu'il y a des coins chez nous, effectivement, qui sont des ghettos, mais qui sont des ghettos économiques, dans lesquels on trouve des gens qui ont tous le même niveau de revenus, et il suffit qu'il y ait quatre mecs en bas qui s'ennuient pour qu'on puisse se dire, ah ouais, ça c'est les quartiers, c'est les... Et tous les autres n'existent plus à ce moment-là. Je suis complètement d'accord avec les ghettos économiques, je suis complètement d'accord avec ça, sauf que posez-vous la question, si ces ghettos économiques ne sont pas aussi des ghettos avec des gens qui sont discriminés. Est-ce que vous ne pouvez pas poser la question s'il y a des gens qui... Il y a une discrimination économique chez nous. Il y a des discriminations économiques et aussi sur l'origine des gens. Et vous allez le voir, vous pouvez venir à SOS Racisme, vous pouvez venir voir les permanences juridiques et voir le nombre de gens qui viennent nous voir parce qu'ils ne trouvent pas de logement, parce qu'ils ont un nom à consonance étrangère. Regardez, il y a des offices HLM. Charlotte. C'est impressionnant. Il y a des offices HLM qui décident de faire des grilles ethniques pour prendre des gens dans leur HLM. C'est-à-dire qu'il y a des offices HLM qui ont dit « Ah ben là, il y a trop de noirs. On peut pas mettre plus de noirs, sinon le bruit et l'odeur, vous comprenez ? Attendez, on a quand même un président de la République, Jacques Chirac, qui avait dit le bruit et l'odeur. On a quand même aujourd'hui une stigmatisation totale. Mais enfin, c'est des choses, mais on peut pas les nier non plus. Charlotte. Et vous pouvez pas les nier non Charlotte, plus. Charlotte, je veux bien revenir, Charlotte. Je suis d'accord un peu avec vous pour vous faire plaisir, mais vous non, pouvez mais pas Charlotte, nier. Non mais Charlotte, cherche pas à me faire plaisir, moi, c'est pas la peine. T'embête pas. Ce que je vais non, dire. C'est vrai. Non, vous pouvez pas nier. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Je continue à penser. Est-ce que tu vas t'arrêter de parler ou est-ce que tu vas répéter la même chose ? Quelle est la question que tu poses ? Qu'est-ce que vous faites alors des victimes de discrimination qui on reçoit tous les jours à SOS Racisme ? Alors moi, je vais te dire, la première chose, Charlotte, c'est que plus on appuie là-dessus, plus on fait des ghettos, et plus il y a de chances pour que, et plus on choisit de sortir certaines têtes de ces ghettos, plus il y a de chances pour que les gens, se disent qu'ils sont discriminés. C'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que vous avez le sentiment que c'est vous qui détenez la vérité, que c'est votre regard qui est vrai. Vous oubliez tous les autres gens qui vivent dans ces endroits. Vous êtes en train, vous passez à chaque fois pour essayer d'expliquer aux gens comment il faut vivre, comment il faut penser et comment il faut faire. Et vous oubliez à chaque fois, tous les autres. Et lorsque vous faites ça, vous braquez tous les autres. Parce que si jamais il y a trois noirs devant un truc et que vous mettez la lumière sur eux en disant que les autres leur en veulent, tous les autres, tous ceux qui ne sont pas noirs, se disent putain, il y en a que pour eux. Et c'est comme ça qu'on fait monter ces différences. Vous êtes totalement de ce racisme. Oui, oui. C'est pas parce que moi j'y vais avec, parce que je suis à fond dans ce combat-là, etc., qu'on n'a pas aussi des actions posées, qu'on fait pas des procès. Enfin, je vais pas revenir dessus, je vais dire 15 fois la même chose, ça sert strictement à rien parce que vous voulez pas l'entendre. Mais moi, ce que je vous pose comme question, c'est que qu'est-ce qu'on fait ? Mais arrête de répéter ça, c'est un truc qu'on t'a appris dans ton école. Mais parce que vous me répondez pas. Mais je viens de te répondre. Mais bien sûr que non. Je viens de répondre à ta question. On va des gens noirs, machin. C'est pas ça que je vous pose comme question. Charlotte, quelle est la question que tu poses ? Alors, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, quand on a des jeunes qui viennent nous voir et qui nous disent voilà, on n'a pas pu rentrer en boîte hier soir parce que mon pote blanc il est passé et moi je suis pas passé. On m'a dit que c'était pour les habitués. Qu'est-ce qu'on fait si qu'est-ce qu'on fait si on ne fait pas des testings, c'est-à-dire qu'on va pas constituer une preuve pour pouvoir aller porter plainte, pour pouvoir aller devant la justice et pour pouvoir aller légiférer pour faire en sorte que tout le monde, tous ensemble, tous mes potes, tous vos potes puissent rentrer ensemble en boîte de nuit le soir et que ça devienne la norme qu'on rentre tous ensemble en Elle boîte de nuit. Finis ta question là. Voilà. Alors, la question c'est quoi en fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je vais dire. Qu'est-ce que SOS Racisme fait ? Alors, je réponds ou tu vas encore reparler ? Mais répondez-moi réellement à la question. Mais je vais essayer de te répondre parce que ça, c'est une technique que j'ai déjà entendue. Tous les gens de ton association font comme ça. Alors, ils posent la question et je repose la question et répondez-moi. Parce qu'on n'a pas la réponse. Ben, je vais te la donner, moi, la réponse. Moi, personnellement, et je vais me servir de moi. Lorsqu'il y a une fête, quelque part, et qu'on ne veut pas de moi, moi personnellement, je n'y vais pas. Tu sais pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie de faire la fête avec des gens qui n'ont pas envie de moi. Ça, c'est mon caractère. Mais c'est pas les gens qui font la fête. Pardonne-moi. C'est les gens qui choisissent. Pardonne-moi. Est-ce que je peux finir mes phrases ou est-ce que tu vas en permanence parler ? Est-ce qu'il faut couper ton micro pour réussir à en placer une ? D'accord ? T'as posé une question qui a été extrêmement longue. Je t'ai laissé la poser. Donc maintenant, tu vas pas faire pour m'empêcher de parler. Non mais... Donc, s'il faut couper ton micro pour que je puisse répondre, je vais répondre. Voici ma réponse. C'est la mienne à moi personnellement, celle de Maurice. La mienne, c'est si jamais on ne veut pas de moi quelque part, je n'y vais pas parce qu'il y a des gens avec lesquels j'ai pas envie de me trouver. Si effectivement les gens n'aiment pas les basanés quelque part, moi, je trouve effectivement qu'il faut légiférer, qu'il faut faire. Mais jamais, à aucun moment,
personnellement, je ne me pointerai dans ces endroits parce que j'ai pas envie d'être avec des gens qui ont cette mentalité. Alors qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Déjà, on dit au mec, on demande à la personne qui veut aller avec ses potes, je sais pas où, dans un endroit qui est pas très agréable quand même. Non. Bon, Charlotte, on arrête alors. On arrête. Parce que si, là, tout à l'heure, t'étais sur ton téléphone, si effectivement t'es venu pour servir ton discours, et puis quand t'as fini, tu demandes un coup un crayon, un coup tu regardes ton truc, et puis quand c'est à toi, tu fais, tu parles à toi et à travers, non, moi je fais pas ça. Je veux bien parler avec toi. Moi je veux bien parler avec toi, Charlotte. Mais si on parle tous les deux, ça sera pas une tribune pour SOS Racisme, l'émission que je fais. Je te le dis sauf tout de suite. Je voulais noter pour pas vous couper. Oui, oui, je sais. Oui, tu allais noter. Tout à l'heure, t'étais sur ton téléphone portable pendant que j'étais en train de te répondre. T'as toujours la tête un peu ailleurs. C'est une manière extrêmement grossière déjà. C'est une manière extrêmement grossière de t'adresser à celui qui est en face de toi et qui prend le temps d'échanger avec toi. Il y a des mecs qui attendent sur le téléphone. Il y a d'autres gens qui, je sais pas où ils sont, qui j'espère attendent encore pour pouvoir parler de leur association. Je te donne du temps et ce que tu me donnes en échange, tu tournes ton cul, comme on dit dans ma famille, tu tournes ton cul parce que ça t'intéresse pas. La seule chose qui t'intéresse, c'est ce que tu as à dire. Donc je préfère qu'on arrête là. Merci. Ah, tu n'es pas d'accord? Viens vite. Alors tu vas là, je te prie. Ajoute maurice.usa sur Skype.